Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Si tu souffres avec Jésus, tu régneras avec lui. Nous devons nous repentir de toutes les mauvaises, les vaines paroles que nous avons prononcées. Nous devons nous repentir de toutes nos plaintes, dans tout ce qui nous arrive dans la vie. Retenez cette leçon, mes frères. Combat tout ce qui nous arrive, la faim, la nudité, les promesses qui tardent à s'accomplir. Ces choses cherchent à atteindre notre foi. Que notre foi puisse chavirer. Malgré les souffrances et les difficultés, Dieu place toujours des limites que ces choses ne peuvent franchir. Dieu ne prend pas plaisir aux épreuves de l'homme, mais il éprouve sa foi. Encore une fois, on va revenir sur Job. On va encore parler de Job aujourd'hui en martelant sur deux choses très importantes. Nous louons notre Dieu parce qu'il a dit que le pain et l'eau ne manqueront jamais dans sa maison. Et que nous garderons son alliance, l'eau et le pain ne manqueront jamais dans sa maison. Nous lisons la parole de Dieu dans Job, chapitre 5, verset 18. Nous connaissons le passage, donc 7 à 18. Nous allons lire Job, chapitre 5, du 7 à 18. Tangi makomi mosantu na buku ya Yobo, mokapunongwa mitano, molongwa zomi na sambo, kino zomi na mwambe. Heureux l'homme que Dieu châtie, esengo na moto yo, zamba opese tumbo. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. Nous sommes en train de parler de l'histoire d'un homme. Un homme qui a vécu dans l'intégrité, dans la droiture, et qui n'est pas en train de comprendre les choses qui lui arrivent, les choses qui sont aux antipodes de la réalité biblique. Les souffrances sont une conséquence du péché, mais par contre, cet homme, lui, n'a pas péché, il s'étonne, et ses souffrances sont en train de tarauder son esprit, son âme, et tout son être. Il s'étonne du fait qu'il soit en train de souffrir. Tozo betali solo ya mutu moko ya alima ya sembo mutu akobanga nzambe kasi azoye bateti na makambo zo komela yenzo kande kotanga makomi tozo monete boloji pasi ezali mbano ya masumu kasi ye asumu kisoki mokete kasi tala pasi o komelie azoye batina na yango soki mokete. Et parmi nous, nous avons aussi des gens qui subissent le même sort que Job, qui cependant n'ont rien fait. Ils marchent dans la crainte de Dieu en s'éloignant de tout mal. Mais cependant, il y a des choses très mauvaises, des prières non exaucées, des souffrances, des difficultés, et ça blesse leur âme. Katina biso peza na bandeko baobanga nzambe basalaka manso batangwa mosika ya masumu kasi tala pasi tasikala biyano ezate na balosambo na bango makambo nyonso ezokisaka milema ya bato. Et je mets l'emphase sur la souffrance ce matin. Après que nous ayons écouté, entendu l'histoire de cet homme, de tout ce qu'il a enduré, après qu'il ait perdu ses enfants, tous ses biens, et la leçon, la grande leçon que nous devons encore retenir ce matin, c'est la notion ou la leçon de la souffrance.
souffrance. Lorsqu'on parle de la souffrance, ça blesse, ça touche certaines sensibilités. On n'aime pas parler de la souffrance. Il faut parler du bonheur, il faut parler de l'élévation, il faut parler de l'onction, il faut parler de la prospérité à tous égards. Il faut parler plutôt de la délivrance. Oui, mes frères et sœurs, c'est une chose que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent, la souffrance. Le chrétien d'aujourd'hui aime une vie chrétienne bon chic, bon genre. Crois au Seigneur Jésus, tout va ir, tu iras mieux pour le mieux. Crois au Seigneur Jésus, tu seras béni. Mais la souffrance est aussi une grande bénédiction pour nous qui sommes des enfants de Dieu. Les lobes en Zambé et Belé, Christo, oui, Kabomo et Moko, Yamalamba, Yébete, Soko, Yendimeli, Koloyes, Makamunio, ce bongi, Bofoulou, Kiko, Tombouama, Nyosu, Zamalam, Zokande, Bozozito, bois les passes, et Zapé, Moko, Yali, Pambo, Liponabiso, Bananazan. Les Écritures déclarent que si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Nous avons recherché la délivrance, l'onction des bonnes choses de ce monde en ignorant, mes frères et sœurs, cet élément très important, cette chose importante qui est la souffrance dans la vie du chrétien. La souffrance. La souffrance. La souffrance. La souffrance. Passe, boale, bolosi. Et ça, et loko moko motu ya nakati na bomo ya bo Christo. Kakate to suka koluka ko kangolama pe ma pamboli maike. Et mes frères et sœurs, retenez. La première des choses qu'on doit retenir, c'est quoi? Et loko ya yamboto sengeli ko simba le lezani. La souffrance est une école. Bolosi boale to passi yango ezali etelo. Très important. Peut-être parmi nous, il y a des gens qui souffrent. Je ne m'adresse pas aux gens qui souffrent parce qu'ils ont péché. Si votre souffrance est une conséquence du péché, vous devez vous repentir. Ce qui passe na yo et outi pour na masumu yo salaki et sengil na yo ko tout bela pe ko yamola. Mais ici je suis en train d'abord m'adresser à tous ceux-là qui vivent dans la crainte de Dieu, qui sont intègres mais qui cependant sont en train de vivre des difficultés énormes. Kasi nanu awa na zo lobana bato yo babanga kanzambe baboya mabe kasi bazo bika mika katano e bele na bomo ina bango. Et c'est ce que nous devons comprendre. Depuis les jours où nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie, il y a aussi une chose par laquelle nous devons passer, et cette chose s'appelle la souffrance. La souffrance, souffrance. Il faut qu'un jour tu puisses souffrir pour Christ. C'est notre chemin. Nous ne pouvons pas nous en dérober. Wano yambi kolo Yesu Christ. Sengeli oyeba yana nzela moko sengeli koleka minyoko. E sengeli pe ondima konyoka mapona kolo Yesu Christ. Et nous le savons tous très bien, mes frères et sœurs, qu'il n'y a pas d'enfantement sans douleur. Sokande banso toyebi malamu ko bota ezalite kozanga pasi. Il n'y a pas d'enfantement sans douleur. Quand bien même cela fait très mal pour une femme. Mais cela est aussi le rêve de toute femme. Un jour qu'elle devienne une mère. Nonobstant les souffrances. Mais elle aspire à cela. Et soupire à cela. La souffrance est une
école, il n'y a pas d'enfantement sans douleur. Depuis qu'il a dit que moi si akobota na pasi, moi si mon côté a bota na facilité. On peut acclamer le Seigneur. Vous mettez la colonne à biseau ma boque. Nous allons lire notre passage pour corroborer tout ce que nous sommes en train de dire. Dans Hébreux chapitre 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ, Hébreux chapitre 12, il y a un passage intéressant. Verset 6 est le suivant. Car le Seigneur, Hébreux 12, verset 6 est le suivant. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Le Seigneur vient et commence à chicoter, à châtier tout ce qui sont ses fils. C'est qu'il aime. C'est ce châtiment du Seigneur qui nous a toujours dérangés. Et nous n'arrivons pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui. Et quand ça nous arrive, nous nous mettons à pleurer, à nous plaindre comme Job. Seigneur, pourquoi ça? Seigneur, pourquoi? 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 Et tant que comme la cabisse, tu vas dire que les encolo pour nani ne comme linga, pour nani ne boye. La volonté de Dieu ce matin est que personne parmi nous ne puisse encore se lamenter lorsqu'il connaîtra la souffrance dans sa vie. Et moins s'il marche dans l'intégrité, qu'il puisse plutôt se réjouir. C'est le message de ce matin. Et tu es en train de souffrir parce que tu es fils. Ce n'est pas une malédiction. Ne va pas à gauche, à droite en cherchant des hommes de Dieu qui puissent t'imposer les mains, en cherchant des démons, des malédictions, des blocages, des réclamations. Il n'en est pas question de toutes ces choses. C'est Dieu lui-même qui te châtie parce qu'il t'aime bien. Sache discerner les choses. Sache comprendre qu'est-ce qui se passe. Quel est le temps que tu es en train de traverser. Et la souffrance est un signe, un présage que bientôt quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose est sur le point d'arriver. La souffrance est un signe que bientôt tu vas rentrer dans une autre saison. Mais avant que tu n'accèdes à cette saison nouvelle, Dieu est en train de te châtier. Wana ozoleka na kati na tangu na pas sepelani soki otambola ka sembo pe na kobanga nzamba yango eza elakeli mabete kolukate ba mama yo maboko na moto nyoso kota soki wapi kasi yeba ete pasi na yo ya lelo ezali elembo ezola ki sa ete kala mingi te kolo azane loko moko ya motu ya alingia sala pona yo. Supporter le châtiment, dima etumbu, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Est-ce que vous pouvez répondre, quel est le fils que le père ne châtie pas? Mais si vous êtes exemple du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donc si quelqu'un n'aime pas, ne supporte pas la souffrance, il doit savoir qu'il n'est pas un fils légitime de Dieu. Mais si vous êtes fils légitime, il faut accepter la souffrance, il faut aimer la souffrance, il faut supporter la souffrance. N'allez pas faire le contraire en vous disant, Seigneur, je n'ai jamais souffert,
Je prie Seigneur, je veux aussi passer par la souffrance, mais c'est pas ça. C'est l'initiative de Dieu lui-même. Ngana nyoko mana nutenkolo na lingina nyoko mate. Wana ihuta kepa na Nzambe ye moko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est très important. Yangweza mutu ya mate. Mais suivre, voilà. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des Esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Mais Dieu nous fait passer par la souffrance pour notre bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu nous châtie pour notre bien. Et une dernière fois, Dieu nous châtie pour notre bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible et juste. Un fruit paisible de justice. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Mes frères et sœurs, nous nous lamentons parce que nous ne comprenons pas l'intention de Dieu au travers de la souffrance. Son intention qui est de nous faire du bien. C'est de nous faire du bien au travers de la souffrance. La troisième chose, par la souffrance, notre identité se révèle. Ok? Amen. Par la souffrance, notre identité se révèle. Tu as crié au Seigneur ce bien. Tu es en train de prier ce bien. Tu jeûnes ce bien. Tu fais de veillées de prière ce bien. Tu donnes ta dîme ce bien. Mais un jour, tu seras confronté à la souffrance. Et quand la souffrance vient, c'est alors que ta vraie identité va se révéler. Ce talent que tu sauras qui tu es, malgré tes titres, malgré tes études, malgré ce que tu es, ce que tu fais. Mais les jours, où tu passeras par la souffrance, ce serait comme de l'or qui passe par le feu pour être de l'or pur. Mon frère, ma soeur, tu n'as jamais découvert ta vraie identité. Tu pourras me dire que tu as accepté le Seigneur depuis plusieurs années. Tu pourras me dire que tu entends Dieu te parler. Tu pourras me dire que toi aussi tu chasses les démons. Tu pourras me dire que toi aussi tu sais comment écouter la voix de Dieu. Que tu es un chrétien né
de nouveau, tu pourras me dire ceci. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a quelque chose qui est caché en toi que tu n'as jamais découvert. Alors Dieu pourra activer cela pour te prouver qui tu es, afin que toi-même tu puisses te connaître. Comme Soka disait, connais-toi toi-même. Alors viendra la souffrance. Et quand on parle de la souffrance, ici nous avons sous nos yeux l'exemple d'un homme qui a souffert et qui n'a pas maudit Dieu. Son nom c'est Job. Église, écoute la voix du Seigneur. Est-ce que tu es en train de souffrir? Depuis quand cette souffrance a-t-elle commencé? Qu'est-ce qui est sorti de ta bouche? Qu'est-ce que tu ressens au plus profond de toi? C'est une âme blessée. C'est une âme qui pleure. C'est une âme qui n'a pas d'espoir. C'est une âme qui ne voit aucune issue dans sa vie. Qui se rend compte qu'il n'y a pas d'issue dans sa vie. Qui pleure, qui pleure, qui pleure, qui pleure, une âme abattue, une âme découragée, une âme blessée et déçue. C'est ça ce que tu représentes. La souffrance passe, révèle notre vraie identité. Mais lorsque Dieu te révèle ta vraie identité, c'est très important. Lorsque tu te connais tel que tu es, si tu as failli, tu feras un effort. Alléluia. Pour ne plus faillir, tu vas persévérer. Mais si tu n'as pas failli, tu comprendras qu'il y avait un lion qui se cachait en toi. Ici j'ai un géant endormi. Ici j'ai un géant endormi. S'il s'est réveillé, rien ne pourra l'arrêter. Est-ce une mauvaise chose que tu te connaisses, mon frère? Est-ce une mauvaise chose que tu découvres ta vraie identité? Les échecs nous aident à mieux faire, à devenir beaucoup plus excellents. Tu te connais. Au travers de la parole, tu fourniras des gros efforts pour faire mieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'identité de Job maintenant se révèle différente. L'homme comprend. L'homme comprend. Okay, mes frères et sœurs, quand Dieu nous fait traverser par des temps difficiles, je disais que c'est pour que nous puissions connaître notre vraie identité. Nous avons l'exemple de Christ. Il savait qu'il allait souffrir par la croix. Il savait. Mais un jour, dans le jardin de Gethsémané, quand tu vois ces choses venir, il dit, Père, ne peux-tu pas éloigner de moi cette coupe? Quand il a vu ce qui devait lui arriver, en tant qu'humain, il a réagi. Quelque chose s'est passé. Il a vu la croix. Il a vu le verre. Il a vu la couronne de pines. Il a vu la flèche qui allait transpercer son côté. Il a vu toutes ces humiliations. Il a vu cette souffrance. Comment il allait être asphyxié entre ciel et terre. Il a vu cela. Il dit, Père, tu ne peux pas éloigner de moi cette coupe.
mais toutefois, kasi, non selon ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et Christ avait compris. Ah, Christ a soulagé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important, mes frères et sœurs. La souffrance Passi. Amène l'homme à comprendre et tant qu'il sera dans ce corps, jamais il passera à côté d'elle. C'est une réalité que nous devons vivre tant que nous serons dans ce corps. Amen. Dans ce corps de chair, la souffrance sera toujours là. En attendant que nous puissions revêtir un corps nouveau. Mais nous souffrons encore dans cette tente. Paul appelle cela la tente. Alléluia. Amen. Voyons ce qui est arrivé, mes frères et sœurs. Quand on souffre, on est blessé. David a été trahi par ses deux fils. Adonijah et Absalom. Et Absalom, un jour, il s'est mis à poursuivre son père avec une arme pour le tuer. Vous pouvez vous imaginer, mes frères, quelle devait être l'attitude de son père. Mon propre fils. Depuis que nous avions commencé, nous parlions des blessures causées par nos pères, nos parents dans nos vies. Mais il y a aussi des fils et des filles qui ont blessé leurs parents, qui ont maltraité leurs parents. Dernièrement, une maman est venue me voir après le message. Elle me dit, je m'étais décidé à quitter la maison parce que c'est une veuve. Non, il y a une de ses filles qui est en train de la déranger, de la persécuter. Elle s'était dit, je dois partir. Mais le message de ce matin m'a beaucoup fait du bien. Il y a aussi de ses filles qui font du mal à leurs parents, qui gueulent sur leurs parents. Il y en a même qui ont frappé leurs parents. Et ça se fait comme ça, le parent est blessé. Des enfants qui crient sur leurs parents, qui font souffrir leurs parents, qui ont blessé leurs parents, qui ne sont pas obéissants à leurs parents. Ils sont là. Mais jamais vous avez eu à demander pardon à ce parent. Peut-être par votre méconduite, vous êtes méconduit un jour, cela a blessé votre parent. Ça dérange et le cœur de papa ou de maman est en train de saigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, celui qui arrive à comprendre comme Job que la souffrance n'est pas un handicap, mais un moyen de se révéler pour soi-même. Ce n'est pas un handicap. Si tu as compris cela, que ce n'est pas un obstacle, la souffrance, mais c'est un moyen. Un moyen. C'est important. Pour nous révéler par nous-mêmes. Alléluia. Amen. C'est comme ça que je pouvais dire, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais mon âme, mon œil, ta vie. Je me condamne et je me répands. Je me condamne et je me répands. Je comprends maintenant. Je comprends maintenant que rien ne s'oppose à tes pensées. Je comprends que rien
Rien. Retenez encore une chose importante, mes frères et sœurs. Vous qui souffrez, que la souffrance est un moyen que l'Éternel utilise pour nous redresser et nous forger. La souffrance est un moyen que Dieu utilise pour nous redresser et nous forger. Je reprends pour une dernière fois. La souffrance est un moyen que Dieu utilise pour nous redresser et nous forger. Des fois, quand tout va très bien dans la vie d'un homme, il est difficile à se rendre compte qu'il a certaines choses qui déplaisent à Dieu. Des fois, on n'a pas le temps de réfléchir à cela. Tu demandes ceci, tu l'as tout de suite, tu fais ceci, tu l'as tout de suite. Quand tu demandes ça, tu te donnes, tu pars, tout va bien, tu te réveilles le matin, tu as ton petit déjeuner, tu auras ton dîner, tu t'habilles bien, tu fais tout ce que tu veux. Quand tout va bien, des fois il est difficile. De réaliser ce que nous sommes en réalité. Des fois il est difficile d'écouter encore la voix de Dieu. On se croirait un petit saint. Des fois il est difficile de comprendre certaines choses. Quand vint la souffrance, alors l'homme s'est ressaisi. Et là, le verset qui dit, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Arrêtez, parce que tu y avais arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Oh, mais je ne t'entends pas. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Alléluia. Amen. C'est très important. Et ça, c'est une brèche que Dieu avait ouverte. Parce qu'il est en train de parler de l'âme. Parler des maladies de l'âme. Que ces choses nous bloquaient. Ces choses nous dénaturent. Ça perd notre comportement. En parlant de maladie de l'âme, lorsque nous avions commencé à parler des blessures intérieures, alléluia, amen. Le but de Dieu, c'était celui de comprendre, d'amener l'homme à comprendre qui il est réellement. Lorsque nous avons ouvert cette brèche, en dépit de toutes les autres conséquences que nous avions apprises, mais Dieu voulait aussi que l'homme arrive à comprendre qui il est réellement. Une âme blessée, découragée, qui il est. Amen. 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 Accepter de souffrir comme Christ, c'est aussi une force contre le péché. Accepter de souffrir comme Christ, c'est aussi une force contre le péché. Alléluia. Amen.
Christ, malgré la souffrance, Christo, il a vécu dans la paix, dans la joie. Les Écritures déclarent, après qu'il soit ouin, il allait de lieu en lieu, de village en village, guérissant le malade, chassant les démons, apportant le repos dans les cœurs qui étaient chargés et fatigués. Alléluia. Amen. Nous devons arriver à accepter de tout notre cœur cette vérité. Alléluia. Amen. Accepter cela dans notre cœur. Que lorsque nous souffrons, nous communions avec Christ dans ses souffrances. Lorsque nous souffrons, nous préservons notre communion avec Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Qu'il nous a été fait la grâce, et non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. La Bible appelle ça une grâce. C'est une grâce. Parce que si tu n'as pas la grâce, tu ne peux pas accepter la souffrance. C'est écrit Amen. La tristesse toujours dans le cœur. Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous avez la paix dans votre cœur? Est-ce que votre cœur est-il en paix? Acclamons le roi. J'étais en train de dire que pour beaucoup, ou pour certaines personnes parmi nous, la souffrance est un handicap. La souffrance les blesse. La souffrance les rend amers. Parce que lorsqu'ils ont crié au Seigneur, ils se sont dit tout ira pour le mieux. Et c'est même l'apanage de certains prédicateurs. Non, un enfant de Dieu ne peut pas souffrir. Non, tu as des problèmes. Comment tu peux souffrir comme ça? Il te faut une cure d'âme. Le message de la prospérité. Le message que tout doit aller très bien. On ne peut pas passer par la souffrance. On ne peut pas connaître des difficultés. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul appelle un autre évangile. Mais l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne parle pas de rose croix. Mais chez nous, nous parlons de la croix et puis rose. Nous ne sommes pas rose croix. Nous parlons de la croix. Et puis rose. Donc avant de voir la rose, il faut passer par la croix. C'est ça le message. Si tu veux voir la rose, tu dois passer par la croix. La Bible dit il s'est humilié jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms qui se parle ou non, afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout l'homme confesse que Jésus est roi. Est-ce que tu as compris? Chez nous c'est la croix qui vient en premier lieu, et après la croix c'est le rose. Est-ce que tu comprends ça? C'est la croix et puis rose. La croix rose. La Bible dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Il n'a pas dit de ma croix.
Parce que personne ne peut boire la coupe que moi je suis en train de boire. Il a dit ça. Mais que chacun, chacun se charge de sa croix. Et que tu suive. Même quand tu n'as pas mangé. Même si fiancé à Boyo. Même ceux qui m'aboyent. Alléluia. Amen. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Qu'il me suive. Il n'a pas dit quand il aura vu des bonbons, des biscuits, des voyages, des voitures, des sabis. Non. Qu'il te charge. Amen. Et la croix pèse. Hein? Kilo. Hein? Ça pèse. Même et Jésus, on l'a aidé à la porte. Ça pèse. Alors, même si tu seras en train de marcher. Mais c'est ta croix. On t'a humilié. C'est ta croix. Tu as connu la diffamation. Accepte. Amen. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Et après cela, il y a les roses. Ah, mais si, mananonde, okobuka fololo. Biso awa. La bénédiction chaque jour. Nin, qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade. Nin, wana zobel? Non, non. Tala malam. Nzamba bela. Un enfant de Dieu ne tombe pas malade. Kobela te. Et quand vous laissez les Écritures, il dit quoi? Hein? J'ai laissé sa mère ou sa belle-mère? La belle-mère de Pierre ou de Pierre? Belle-mère. Hein? Oui. Oui. Maman, beaucoup lui a pété. Nati qui est malade. Eh, c'est que par moment, c'est qu'il a même prié pour lui. Et elle n'était pas guérie. Hein? Et puis elle va, il va faire, il va faire le rapport. Il dit non, je l'ai laissé malade. Abi, Nati qui est courir, mon gars, bondé l'aponaie, elle dit Nati qui est azobé la kuna. Parce que nous pouvons aussi tomber malade. Mais nous savons une chose. Toi, ne par ce meurtre sûr. Par ce meurtre sûr. Nous sommes guéris. Et nous déclarons cela. Et nous sommes guéris. Qu'on ne vienne pas nous induire en erreur. Notamment notre morale par de vaines discours. Paul dit je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Dans l'abondance comme dans la disette. Dans la persécution. Dans la douleur. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Rien, 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 rien. Lisons un peu le psaume 23. Il y a des belles choses là-bas. Dans le psaume 23, il y a quelque chose qui nous était caché. Psaume chapitre 23, ça c'est David. Allez-y, est-ce que tu peux lire avec onction comme le dimanche? Allez-y. Psaume 23, allez-y avec onction. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer. Écoutez, ça c'est pas que. C'est monsieur au moment où il parle, tout allait bien. Non. C'est sa réaction. La réaction à ce qu'il y a dit. Alors lui commence à confesser sa foi. Pendant ce temps difficile, il commence à confesser sa foi. Il dit l'Éternel est mon berger. Est-ce que tu peux aussi composer des cantiques? Pendant des temps de difficultés, pendant des temps de souffrance. Et c'est ça le vrai adorateur. Les adorateurs que Dieu recherche, c'est cela qui adore en esprit et en vérité. En vérité, parce qu'ils sont en train de dire à Dieu la vérité qu'ils sont en train de vivre. Il ne parle pas d'Abraham, il ne parle pas de Moïse, mais lui adore en vérité. Il dit la vérité que lui
est en train de vivre. Alors il a compris Dieu au travers cette vérité et il élève Dieu selon la vérité qu'il a découvert. Et cela se fait à l'esprit. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Oui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Écoute. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée où il y a la mort, dans la vallée où il y a des difficultés, où il y a des souffrances, où il y a des manques, où il y a le chômage, où il y a la pauvreté, où il y a la maladie, qu'est-ce qui arrive? Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Écoute mon frère, écoute ma soeur, je dois te dire, papa, maman, la souffrance que tu connais, tu ne la vis pas seule. Tu es avec Jésus. Voilà la bonne chose. Tu es avec Jésus. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu es avec Jésus. Allez. Ta houlette, ton bâton, me rassure. C'est bien. Allez-y. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est bien. Tu oins d'huile ma tête. Oui. Et ma coupe déborde. Écoute. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quelqu'un qui traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est comme s'il se contredit. Mais tu finis par dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Est-ce que tu as compris cela? Il est mon berger, il restaure mon âme quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Et puis il dit, mais n'ayant moi le bonheur et la grâce. Est-ce que tu peux le dire aussi? Le bonheur et la grâce. Sans la grâce de Dieu, il nous sera difficile d'accepter la souffrance. Il faudrait que la grâce soit sur nous pour qu'on comprenne. C'est ce que David est en train de dire. Et dit, en dépit de cela, mes frères et sœurs, Seigneur, tu vas dresser une table en face de mes adversaires. Tu es tu le matin. Parce que lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, il y a beaucoup d'ennemis, des gens qui me disent, mais lorsqu'on est béni, ces ennemis-là viendront vers nous. Mais nous ne devons pas les chasser. Parce qu'après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort, après avoir traversé la vallée de Baca, nous transformons ces vallées de Baca à des sources d'eau vive. Et lorsque nos ennemis viendront, nous n'allons pas les chasser, nous n'allons pas leur rappeler le mal qu'ils nous ont fait. Nous allons les servir parce que nous sommes devenus une source. Je suis devenu une source. Ils viendront. Ils viendront. Bakoya. Tu verras cela. Tes ennemis viendront. Alors ne les chasse pas. Ainsi te parle Dieu. Tous ces gens qui t'ont fait du mal. Attends.
Zela. Maintenant tu es béni. Si ko pambola mais tu n'es pas encore devenu une source. Parce qu'il y a une différence entre être béni et devenir une source de bénédiction. On peut être béni, c'est bien. Ça peut être ta bénédiction pour ta famille, c'est bien. Mais quand on devient une source, c'est aussi pour les autres. Est-ce que tu comprends? C'est aussi pour les autres. Alors une source, ça veut dire ceci, que tes ennemis auront besoin de ce qui est en toi. Parce que tu as maintenant des choses. Quand tu t'es industriel, tu as des choses. Quand tu t'es industriel, et tu peux commencer à donner. Tu auras une histoire. La souffrance, c'est une école. Dieu est en train de te tailler. Ta souffrance, c'est un chemin, c'est un moyen que Dieu utilise. Mais très bientôt, le bonheur et la grâce seront sur toi. Très bientôt, le bonheur et la grâce, car tu vas te découvrir. Très bientôt. Très bientôt. Si le temps passé, ce qui t'a couvert de honte et de proie, les temps à venir couvriront de proie. Les temps à venir couvriront de proie. Voilà pourquoi on nous a parlé de la force du buffle. C'est le moment d'utiliser cette force. Si vous aviez dit que les choses vont empirer, les choses allaient empirer, voilà le temps. Tu vas pleurer seul dans ta chambre. Où tu as comme l'impression que Dieu t'a abandonné. Vous savez pourquoi ça nous dérange? Parce que l'homme a toujours vécu en fonction de l'autre. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Qu'est-ce que les autres diront de moi? C'est la plus grosse bêtise qui ronge l'être humain. Jamais on ne veut se souffrir à soi-même. Hein? Je suis moi-même. J'ai une histoire avec Dieu. C'est toujours par rapport aux amis. Qu'est-ce que mes amis diront? Ma famille, mon église, on ne peut pas vivre en fonction des autres. Toi, tu es toi. Moi, je suis moi. Toi et lui, qui est toi? Amen. Fais sa réponse. Yona ye nani yo. Ezanga. Tuna ye yonanga naninga. Ngai. Mais pourquoi au lingo landa mon? Pourquoi? Oh, mais ça n'a chien à TV, n'a pas fait la télévision. Oh, quoi, n'est-ce pas? N'a pas mon nez. Yon est saillé. Qui t'a dit ça? Yon est saillé. Paye bani ming, n'a pas fait la télévision. Oh. Nana lobby causé le côté pour un et le côté. N'yango. Tu es un choix réfléchi de Dieu. Ah. Tu es un choix. Tu es un choix. Dieu te connaît. Même dans la souffrance, il est avec toi. J'ai dit même dans la souffrance, il ne t'abandonnera pas. Italio, attends la ligne salée. Problème n'angamo. N'entends pas la macolo. Est-ce que Italio? Mais les hommes sont malades. Pour rien. Malade, ils font tout en fonction des autres. Passa la canyon soka landi sama baninga. Elle a mouru na la tiango pe mingi ba umuna. Oh. Namutwa mona ona nzambo lingi nani? Nzamba mona ngai papa. Nzamba mona ngai. Nazo tuna yo. Nazo tuna yo. Namutwa mona yo na. Nzambe. Nzambe nani azana tina? Nzambe azana tina papa. Ha? Nzambe papa. Nani? Nzambe ndi azana tina mona nga. Oh. Mutute papa. Ha? Mutute. Ata baba ndo tonga yo. Etali bango papa. Oh.
Vous allez attendre. 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 Un monsieur vient me raconter que ma femme m'a quitté parce que nous n'avons pas la télévision plasma chez nous à la maison. Moi, si nanga kiminga po tochete fe ya muya ya oya ya di kosite oya sika oya nanda kunabiso. Elle m'a quitté, elle est partie. Trois enfants à la maison. Toi, atikelinga na bana misato. Regardez le voisin. A ota la baninga. Ana TV place. Ana TV. Bisou. Na bango ya je ne vis pas pour des non, gens de ce monde. Mais je te vis pour Dieu. C'est lui qui t'a créé, c'est Dieu. Ces hommes et femmes ne sont pas tes créateurs. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Est-ce que tu comprends ça? Tu n'as qu'un seul créateur. Son nom. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Tu peux pousser des cris de joie? Je t'entends pas. Je t'entends pas. Je t'entends pas. Je t'entends pas. Que le sanctuaire bouge. Que le sanctuaire bouge. Réjouis-toi. Ah, c'est belle année. Réjouis-toi. C'est belle année. De la part que tu as. La passe à Christ. Bientôt. Calaté. Il va essuyer tes larmes. Bientôt. Il va essuyer tes larmes. Tu dois être guéri. Ah, tu dois être guéri. Il ne faut pas rester là. En train de te lamenter. Pourquoi vivre pour les autres? Pourquoi? Pourquoi vivre pour les autres? Et c'est ça l'homme. Tout ce qu'il a commencé à faire depuis un certain temps, c'était vivre pour les autres. C'est ce qu'il y a de beaucoup de m'as-tu vu. Aujourd'hui, on fait tout pour paraître au lieu d'être. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pourquoi tu me compares avec les autres? Ils ont leur histoire avec leur Dieu. Moi j'ai la mienne. Tu as une histoire particulière avec ton Dieu. Tu es particulier. Est-ce que tu comprends? Tu es particulier. Tu es un cas à part. C'est ainsi que quand il est venu vers Marie, Dieu n'a pas dit ce que je veux faire avec cette femme. Ça n'a jamais existé. Ça ne s'est jamais réalisé sur la terre. Il n'a pas tenu compte de cela. Mais quand Marie pose la question, comment est-ce que cela serait possible? Parce que je ne connais pas d'homme. Le Saint-Esprit dit, moi, même si sur la terre, Dieu n'a jamais fait cela avec quelqu'un d'autre, tu seras la première personne avec qui Dieu va commencer cette histoire. Amen. Même si dans ta famille il n'y a personne qui est passé par là, mais toi tu seras la première. Oh, dans notre famille, personne n'a fait ça, personne n'a eu ça. Tu seras la première. Ce que Dieu n'a pas fait avec les autres, il le commencera avec toi. Pour que tu sois une histoire, une histoire dans ta génération, tu vas impacter ta génération. C'est ainsi que pour le moment, accepte la souffrance. Accepte la souffrance.
sois guéri dans ton âme. Accepte ce qui t'arrive. Adore ton Dieu. Dans les difficultés, la vraie adoration, celle qui est faite, non pas dans des temps paisibles. La bonne adoration, elle est faite dans des temps de difficultés, dans des temps de humiliation, dans des temps de persécution. Cela est la vraie. Et ce sont là les vrais adorateurs, parce qu'ils sont passés par la souffrance sans renier le Seigneur. Ils ont connu l'humiliation sans abandonner Dieu. Ils ont été persécutés, ils n'ont pas été blessés. Ils adorent parce qu'ils connaissent. Ils connaissent celui qu'ils adorent. C'est un Dieu capable de tout. Un Dieu pourvoyeur. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin que rien n'est impossible là où les hommes sont limités. Dieu est illimité. Là où les hommes sont fatigués, Dieu a encore de la vigueur. Là où les hommes se sont découragés, Dieu est encore au contrôle. Je te dis, si tu es dans la misère, la plus totale, je te dis que Dieu contrôle toutes choses. Il est ton. J'ai dit que le Seigneur est au contrôle. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie?